Trésor caché, patrimoine méconnu, la bibliothèque du Grand Séminaire est un témoin des soubresauts de l'histoire savoyarde. Collection encyclopédique, elle se compose d'environ 60 000 livres et périodiques. Des ouvrages religieux pour la plupart, en partie sur la religion chrétienne, l'histoire locale, Saint-François de Sales et l'ordre de la Visitation, et surtout un ensemble de disciplines généralistes, comme l'histoire, la littérature, les sciences, le droit. Les plus anciens livres posés sur ces rayonnages datent du XVe siècle, dont cette messe du diocèse de Genève, datée de 1491, et ce graduel de Musiège, daté de 1525. Un parchemin enluminé dont les majuscules sont ornées de visages. La bibliothèque dispose également d'un fonds d'ouvrages régionaux. C'est un pan d'histoire du grand séminaire, pour le coup. Puisque ça reflète notamment à travers les fonds qui la constituent, ça reflète l'enseignement aussi qui était véhiculé ici. C'est un lieu où le, le livre ancien en quelque sorte est préservé et peut rester dans son jus. C'est malheureusement un lieu qui est peut-être sous-exploité au niveau communication, au niveau accessibilité au public. Donc le, le public peut venir consulter, mais c'est vrai qu'il il y a ce problème de la méconnaissance du lieu qui freine vraiment ce, ce, cet usage. La bibliothèque du Grand Séminaire d'Annecy s'est constituée dès la création de l'établissement en 1688. En 1792, les 4084 volumes recensés dans l'inventaire révolutionnaire sont saisis et rejoignent pour partie la Bibliothèque publique d'Annecy. À la réouverture du séminaire en 1823, la bibliothèque se réforme et compte environ 15 000 volumes à la mise sous séquestre du séminaire en 1906. Souvent les bibliothèques patrimoniales, les fonds ont été souvent séparés du lieu même. Beaucoup de bibliothèques municipales sont créées à partir des confiscations révolutionnaires, donc dans d'autres bâtiments. Celles-ci, du coup, les collections sont restées vraiment à l'intérieur du lieu historique. Autre vestige de l'histoire, la bibliothèque est la propriété de la Bourse des pauvres clercs d'Annecy, une fondation liée au diocèse d'Annecy créée en 1675 par Jean d'Arenton d'Alex, alors évêque de Genève-Annecy et fondateur du grand séminaire. Elle a été confiée en dépôt au département de Haute-Savoie en 1973, qui en garantit depuis cette date le traitement intellectuel, sa valorisation et son accessibilité au public.